Hey, salut tout le monde, ici Myrmécante, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Alors cette fois c'est une petite vidéo un peu spéciale. Ça va être une vidéo où je vais parler de ce magnifique petit terrarium dont vous avez déjà vu quelques petites images un dimanche pendant un résumé de semaine parce que je l'avais construit. Alors sur ce terrarium là, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi il y est, etc. Alors ce terrarium est présent pour accueillir Yule Aphytogonulus corallipes. Donc bon, je vous mettrai quand même le nom dans la vidéo, hein, enfin écrit parce que c'est quand même un nom assez compliqué. Donc c'est des Yules quand même super jolies, hein, elles peuvent aller jusqu'à 10 cm à taille adulte. Ce sont des Yules semi-arboricoles, hein, donc elles peuvent grimper aux branches. C'est pour ça que j'ai fait des tas de branches par ici. Alors là, il y a la sonde, hein, du thermostat, parce que c'est des yules qui proviennent de Madagascar, tout simplement. Donc, forcément, il faut les chauffer, il faut les maintenir à une certaine humidité qui est de 80% minimum. Alors, comme vous pouvez le constater, voilà, j'ai fait ceci avec trois petites branches, une sorte de petite hutte. Sinon, j'ai mis plein de bouts de bois morts dispersés partout autour de la. Enfin, pas autour, si, enfin, on peut dire autour et en dessous de ce petit monticule de branches, hein, parce que les yules adorent le bois mort. Tout simplement, elles vont grignoter tout ça, etc. J'ai même procédé à. L'écrasement de coquilles d'œufs, que j'ai éparpillé un peu partout dans le terrarium, c'est pour apporter du calcium aux yules, car oui, elles ont quand même besoin de calcium, hein, pour faire leur carapace, leur exosquelette. Voilà, je cherche un peu mes mots, désolé. Donc, qu'est-ce qui m'a attiré chez ces yules? C'est le fait qu'elles soient vraiment magnifiques, hein. Elles sont rouges et noires avec des pattes jaunes. Alors ça, c'est vraiment super joli. C'est des yules qui changent complètement de ce que l'on peut retrouver d'habitude en France. Parce que j'ai également une espèce que l'on peut retrouver en France, hein. Je vous l'ai déjà montré, oui, dans une vidéo. Et puis voilà, donc là, pour cette espèce, celle de France, je sais plus le nom, désolé. Je vous referai peut-être une petite vidéo sur elle. Je vous parlerai un peu plus d'elle pour vous montrer un peu tout ce qui aura changé. Parce que j'ai quand même quelques projets pour les relancer, car je vois que leur terrarium commence à devenir de plus en plus un peu terreux, donc de moins en moins de nutriments. Donc il faut pas hésiter à changer de temps en temps. Donc ce terrarium là, donc voilà, il est fait dans un terrarium Exoterra, hein. J'ai bouché l'entrée, enfin le dessus, je l'ai changé par une plaque de plexiglas qui n'est pas encore découpée, mais je la découperai bientôt, hein. Je laisse quand même un petit jour ici pour l'aération, hein, en plus de ce jour ici. Donc voilà, il faut quand même une bonne aération pour les yules, et également pour les plantes, parce que comme vous pouvez le constater, j'ai mis quand même pas mal de plantes, alors beaucoup de mousse, qui me permettra de garder beaucoup l'humidité dans le substrat. Alors, quand je parle de substrat, je vais y venir. Le substrat, c'est simplement de l'humus, comme vous pouvez le constater. C'est de l'humus avec un petit peu de terre de taupinière. Voilà, ici. J'ai mélangé les deux, etc. Et on peut voir quand même qu'il y a une grande diversité, malgré que j'ai pris l'humus en plein hiver, hein, donc on peut dire qu'ils ont été, enfin, les insectes qui se trouvaient à l'intérieur et autres, hein, parce qu'il y a pas mal de biodiversité à l'intérieur. Je vous montrerai tout ça. Voilà, normalement vous le voyez un peu tout ce qu'il y a pendant la vidéo, hein. Parce que j'aurais fait d'autres séquences tournage après le tournage de ceci. Donc voilà, alors il y a vraiment beaucoup beaucoup de biodiversité, hein. Ça s'est réveillé il n'y a pas très 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 longtemps, ça fait quand même
5 jours que le terrarium est lancé, hein, donc oui, forcément, il faut un peu de préparation pour pouvoir accueillir les Yulmes afin que le terrarium soit finalement vraiment prêt, hein, car forcément, ils sont dans une pièce dans ma chambre, hein, où il fait 16 degrés, donc il faut vraiment faire au mieux. Donc, comme vous pouvez le constater, j'ai mis deux tapis chauffant, bien sûr, hein, parce que un seul ne suffisait pas, il en fallait deux pour que ça chauffe assez fort. Et là, je chauffe à 21 degrés. Alors là, c'est normal que l'humidité a diminué parce que c'est une sonde très précise. Et comme j'ai ouvert les portes, et ben ça diminue l'humidité un petit peu. Donc voilà ce que j'ai fait pour ce terrarium là. Donc, c'est vraiment un super terrarium. Donc, les Yules, quand je les ai reçues, elles étaient un petit peu endormies forcément, car bon, la chaufferette était placée au-dessus, mais c'était quand même chaud, hein, c'était pas froid. Donc, elles étaient quand même légèrement endormies malgré la température ambiante qui était correcte. Donc, je les ai mis installées dedans et tout. C'est vraiment de superbes Yules. J'ai aucune mortalité également. Donc, je suis plutôt content. Le vendeur m'a même conseillé de garder le substrat. Qu'il avait mis dans la boîte parce qu'il pouvait y avoir des bébés Yule microscopiques, car oui, les bébés Yule sont microscopiques, enfin quasiment microscopiques, hein, de l'ordre de même moins d'un millimètre pour commencer, et après ça grandit quand même assez lentement. Donc, dans ce terrarium-là, j'ai également plusieurs plantes, hein, comme vous pouvez le constater ici. Voilà, j'ai cette plante-là que j'ai réussi à récolter intacte. Donc, je vais essayer de faire en sorte qu'elle se développe, hein. Également pour la mousse, hein, ce serait plutôt sympa de garder une mousse verte. Ça fait toujours plus joli que simplement de la terre et puis de la mousse morte. On peut observer également, désolé pour la buée, on voit mal. J'essaie de vous faire une meilleure prise. Voilà, là on peut voir une petite brindille d'herbe. Et également, de l'autre côté, on peut voir deux jeunes pousses. Ici. Donc, j'espère vraiment de tout cœur que tout ceci va réussir à survivre au déplacement, hein, dans le terrarium. Donc, j'espère bien que ça va se développer, comme ça rendra vraiment quelque chose de vraiment magnifique. J'adore ce côté vraiment nature, forêt, un peu tropical que le terrarium a. Donc, c'est peut-être possible que plus tard il y ait deux petits changements de décor, hein, donc que je rajoute quelques branches, etc., que j'améliore tout ça, c'est fort probable. Donc voilà. Donc, forcément, les Yules, on les a vraiment peu vus quand je les ai mis dans le terrarium. Elles se sont vite enfuies, donc je pense que c'est le temps qu'elles se fassent au terrarium, aux conditions qu'il y a dans le terrarium, etc. Et après, on pourra peut-être les voir plus souvent. Je sais, c'est des Yules, on les verra pas forcément tout le temps sur les branches, mais ce sont quand même des Yules semi-arboricoles, donc comme je l'ai dit précédemment. Donc j'espère que cela. J'espère que cela va bien se passer et puis que j'arriverai même à avoir des petits, qui sait. Ce serait super intéressant d'observer les petits grandir, les petits grandir dans le terrarium, voir les différentes mues, etc. Car oui, je n'ai jamais eu l'occasion d'observer des mues de Yule. Donc, ce serait vraiment l'occasion de le faire. Donc, normalement, je me suis quand même bien appliqué pour faire ce terrarium afin qu'il soit au mieux. Et puis voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai plus qu'à vous dire à la prochaine pour une future vidéo. Ciao tout le monde!